Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Just Cause 4. On va découvrir le jeu ensemble parce que moi je l'ai pas découvert. Mais vous l'avez déjà découvert sûrement. Vous avez sûrement déjà y joué avec le temps depuis le temps qui est sorti. Mais bon, il est gratuit ce week-end sur Xbox One. Le Xbox Live Gold, et il est gratuit aussi pour ceux qui ont le Game Pass. Ah, vous savez, ce fameux Game Pass, celui qui a permis à Gear 5 de se lancer. Gear 5 a battu le nombre de joueurs de Halo 5, et c'est justement merveilleux, les potos. Aujourd'hui, les potos, on va changer d'apparence. Je prends l'apparence de Just Cause 2, un jeu que j'aimais bien à l'époque. L'ancien membre de l'agence Rico Rodriguez. Jusque-là, on ignorait où il se trouvait depuis que nous nous sommes retirés de Medici. Il est responsable de la démission d'une dizaine de chefs d'État. La main noire a déjà eu affaire à lui à San Espirito, où il a assassiné notre employeur, le président Salvador Mendoza. Nous l'avons affronté à nouveau à Medici, où il a renversé Sebastiano Di Ravello. Bien que l'agence ait été impliquée, voici son officier traitant, Tom Sheldon. Nous avons appris que les motivations de Rodriguez pour libérer Medici étaient personnelles. Vous m'avez déjà briefé sur cet homme, commandant Morales. Nous préparons un test. Vous pouvez aller droit au but. Bien, monsieur Espinosa. D'après nos renseignements, il s'agirait du fils de Miguel Rodriguez. Mon Miguel Rodriguez ? Et ? Il est ici, à Solis. En ce moment. Bon. Ouais. Alors, voilà la super arme de mon père. Le projet IAPA. C'était un type bien, mon père. Un scientifique. Pourquoi il aurait construit une chose pareille? Mon oncle aussi était quelqu'un de bien. Et ils sont morts tous les deux. Ça pose question, hein? Il nous faut des réponses. Tu peux pas faire ça tout seul. Je connais des gens qui peuvent nous aider. J'ai l'habitude de ce genre de choix. Cette fois, c'est différent. Des intempéries, ça va pas m'arrêter. C'est plus que de simples intempéries, Rico. Écoute juste ce que j'ai à te dire. Mira, un plan, c'est une liste de choses qui tournent mal. Et les listes, c'est pas mon truc. Tiens-toi prête. Quand je te connecterai à cette console, tu devras vite trouver Spinoza. Il répond à mes questions, et on détruit le projet IAPA. Ça te va? Dans ce cas... Bonne chance à toi. Oscar Espinosa a intérêt à parler. Bon. À la vérification de la radio. Courte. Je te reçois 5 sur 5. Je vais surveiller ta progression à distance. Je sais pas, mais côté graphique, je sais pas ce que vous en pensez, mais côté graphique, les textures de la peau me semble que c'est plus laid que le 3. Je sais pas, le 3 c'était vraiment bien fait, mais là t'as l'impression que des fois la peau a scintillé. C'est la première fois que je vois ça dans un Juste Cause, même le 2 il y avait pas ça, le 3 était parfait graphiquement. Mais là, je veux dire, je comprends pas, là, je veux dire, c'est peut-être moi aussi le problème, c'est peut-être moi aussi, mais bon... Mais en même temps, c'est Avalanche. Faut pas trop non plus l'en vouloir. Je veux dire, ceux qui font ça, ils se connaissent quand même. C'est des professionnels, là. C'est supposé. En tout cas, ils ont fait Rage 2. Rage 2 que j'ai pas trouvé si dégueulasse que ça. C'est pas les graphiques qui m'ont dérangé dans le jeu. Qu'est-ce qui m'a dérangé
Qu'est-ce qui m'a dérangé, c'est simple. Qu'est-ce qui m'a dérangé, c'est le prix. Le prix pour une durée vraiment banale. Bon, je vais où maintenant? Les lumières de l'autre côté de la vallée. Dirige-toi par là. Pour 6 heures, ouais. J'aurais pu te dire au moins. Cette tour est immense. J'aurais pu. Espinosa assure qu'elle va changer le monde. Que les tornades et les ouragans deviendront l'histoire ancienne. L'histoire principale, ça et presque tous les Solisiens croient. Le projet IAPA ne sera bientôt plus un problème, Mira. Si ton plan fonctionne. Il va fonctionner. Génial, depuis le wingsuit. Oh, depuis le wingsuit. Ah, là, je suis déçu. Mais bon, pour moi, je vois pas l'utilité d'avoir fait au voyage de Juste Cause 4. J'y suis. Le 2 et le 3 m'avaient plu, mais le 4, à part de mettre une femme comme méchante du jeu, ce sera pas le premier face à face. J'avance. Donc là, voir une méchante dans un jeu ou un film, ça te dérange pas. Tant qu'elle rentre pas dans le cliché de la méchante décervelée, voilà, c'est. Sérieux, c'est. Tant que ça reste quand même un peu crédible. Tant qu'elle cherche pas à faire à jouer le rôle d'un homme, je me dis quand même d'un côté. Voilà, comme. Tant que ça vire pas en black washing ou en sex washing. Exemple, James Bond, ils veulent faire une version féminine de James Bond. Je veux dire. Moi perso, ça me dérange pas, mais crime, je sais pas. Quand tu vois les cascades que Daniel Craig fait, je sais pas, elle aussi, te remplace par une femme, je sais pas, moi, qui est plat comme il faut, je sais pas, de dire j'ai pas des jambières, etc. Là, whenever, au moins. au moins une armure. Mais bon, je veux dire. Comme ils veulent faire un masque version féminin. Aïe, ils vont personnellement. Pas emballé, je suis pas chaud à cette idée, mais bon. Ça sera pas plus pire que le masque 2 là, le masque 2 qui était mauvais, mais de tous les niveaux là, c'était stupide. J'ai jamais vu un film aussi stupide de même. Juste Cause 4 qui est loin à date d'après ce que je vois qui est loin d'être mon préféré. Je préfère largement le 3. J'ai joué un peu au 2, j'ai bien aimé le 2. Je l'ai d'ailleurs le 2, faudra trouver que je l'installe un moment donné. Je l'ai sur 360 mais il est au compatible sur Xbox One. C'est ça pour moi qui est important dans une console. Pour moi, c'est d'avoir le choix. D'avoir le choix d'une console qui est rétrocompatible entre une console rétrocompatible et une console qui n'est pas. Je préfère une console qui est rétrocompatible. Parce que moi, j'aime bien des fois rejouer à mes anciens jeux sans tout brancher mes anciennes machines, whenever. Et ça, je trouve ça vraiment important pour moi, la rétrocompatibilité. Pour moi, c'est un truc important. Ces rebelles sont des anciens de la main noire. C'est pour ça qu'on entend mal à l'époque. Je suis déjà posé la question. Je sais pas comment t'as pu tourner le dos à un tel truc que la main noire. Bouge pas. Chacun mérite son sort. Le gunfight par contre, il est toujours aussi jouissif, toujours aussi bien fait. Ça, j'ai rien à dire sur le gunfight, c'est excellent. En tout cas, moi je le trouve excellent, je le compare en même temps aux deux premiers Just Cause.
Ah, et les potos, petite news de dernière minute. Vous avez, si vous avez été sur ma chaîne hier, vous avez vu une vidéo qui est marquée Ghost Recon Breakpoint, primeur du mois d'octobre. Et oui, les potos, en octobre, le 4 octobre, c'est la primeur. Sur ma chaîne YouTube, ça va être une primeur. Quand j'ai primeur, c'est primeur de sortie québécois, évidemment, sortie au Québec, évidemment. Puis c'est pas une exclusivité, je veux dire. Je serai pas non plus le premier. Je tiens à le dire parce qu'il y en a qui marquent exclusivité. Moi, je marque primeur, parce que c'est une primeur pour ma chaîne. Je vous fais découvrir ce jeu en même temps que vous. Et c'est ça qui fait que, pour moi, je ne serai pas le premier. Et anyway, ce n'est pas mon but d'être le premier à jouer au jeu. Et anyway, je paierai pas 140 boules pour jouer une semaine, 2-3 jours en avance. Non, Ubisoft, je les aime, mais pas à ce point-là. Mais j'aime bien leur figurine, par contre. Fait que, ouais, voilà, le message est passé, voilà. Fait que si des fois il y a des personnes qui connaissent un endroit ou un magasin où acheter leurs figurines pas chères, voilà, je suis preneur, je lève ma main dans le fond de la classe. Mais bon, à part de ça, les poteaux, c'est pas simple. Fait que c'est ça, ça va être un rendez-vous hyper le fun. On va découvrir ensemble le jeu Ghost Recon Breakpoint. Et le lendemain, je vous ferai ma critique du film Le Joker, qui sort en même temps le 4 octobre. Ça va être génial. Ça va être juste énorme. Et mardi ou mercredi, tout dépendant la sortie. Noé, ça va être dans l'après-midi. Ça, c'est officiel. Surtout c'est mercredi. Parce que si c'est mercredi, moi je bosse, je travaille le mercredi. Fait que, du coup, ça va être dans l'après-midi. On va découvrir ensemble la bêta ouverte de Ghost Recon Breakpoint. Et oui, les poteaux, ça va être juste le fun. Et voilà. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi la chanson, un peu style armistice, il s'agit de la tune de Brothers in Arms, jouée et repris par Johan Best. Et l'original qui écrit la chanson, c'était Dire Street. Ouais, Walk on Life, avec leur chanson Walk on Life et tout le kit, mais la chanson s'appelle bien Brothers in Arms. Mais bon, là-dessus les potos, c'était pour finir la petite annonce. Maintenant, retour à la vidéo. Voilà, mon annonce est faite. Puis sachez que ça va être la dernière grosse primeur avant les fêtes. Je tiens à vous le dire, mais on va avoir tellement de trucs à jouer en attendant. J'aurai tellement de trucs à jouer en attendant, parce que ça va être assez vite. L'autre prochaine primeur, ça va être quoi? Je pense Watch Dogs Légion ou Watch Dogs Légion. Ou Ghost Recon Breakpoint. Non, ça va être là, non, pardon. Ça va être toi, Watch Dogs Légion ou Cyberpunk 2077. Les autres primeurs de 2020, mais par contre, je sais pas par contre s'il va en avoir avant, s'il y a d'autres jeux qui sortent avant ces dates-là, ok. Perso, je ferai pas Final Fantasy VII, je tiens à vous le dire tout de suite, le jeu Inoue sera juste sur PS4. Mais même si j'aurais une PS4, je vous le ferai pas, pourquoi? Parce que moi, ça semblait les déranger que je fouine. Il a sa propre armée. Qu'on fait des jeux en et ils sont plutôt bons. Dans plusieurs CD, payer plusieurs fois pour moi. Un jeu. On a perdu la cible. Laissez tomber pour l'instant. J'aime payer pour un produit qui est terminé, qui est fini. Qui est terminé. Moi, je suis le même. Moi, je suis un consommateur. J'en veux pour mon argent tout de même. Je vois les affleurements. T'es sur la bonne voie. Tu peux passer? Même si je parle souvent d'argent, des fois, inquiétez-vous pas les poteaux. Je ne suis pas quelqu'un à l'argent, ça c'est sûr. C'est juste que j'aime un peu l'argent, mais voilà.
C'est pas trop comme facile. Le, vendeur de Skyrim qui est en bas de tout est à vendre. Même ma mère, ben non. Pas à ce point-là, les poteaux, faut pas ambitionner non plus. Les sont vraiment beaux, c'est juste au niveau des visages, des fois je trouve que c'est mal fait, comme la fille tantôt. Je sais pas comment elle s'appelle, la méchante qui était là tantôt. À tout personnel, il y a un intrus sur le site. Éliminez-le avant la prochaine série de tests. Ah, Gabriella, vu ça, ouais, il était marqué. Gabriella! Je suis au projet IAPA. Rico, il y a une console plus haut sur la structure. Je vois pas trop comment tu pourras... Je vais trouver un truc. Excusez, il y a un intrus sur le site. Contact avec l'ennemi, entendu. Tirez à... Je pourrais monter en me servant de la ventilation. La dernière position connue de la cible était sur le site. Attendez. Attention, Monsieur Espinosa demande à tout le personnel de s'abriter à l'intérieur. Un test du projet IAPA. Trouve la console. Mieux vaut que tu sois pas dehors au début de ce test. J'y suis presque. L'attaque a cessé. À toutes les unités, restez en arrière. Ça me que le jeu avait des gros bugs à sa sortie. Les bugs, c'était digne de la PS2, non mais sérieux, c'était des bugs de texture. Puis moi, quand je vois ça, je me dis, on devrait même plus voir des bugs, on devrait même plus avoir ce problème-là en 2019. Je sais pas s'ils vont trouver vite ou quoi, mais des bugs de même, ça devrait même plus exister en 2019. C'est là qu'on voit que le jeu vidéo est un domaine assez complexe. Les jeux vidéo sont faits par les humains. Il y en a bien qui disent qu'il y a bien des erreurs dans les jeux vidéo. Des fois, oui, mais le jeu vidéo est fait par les humains, tout comme les films. Il est fait par les humains et l'erreur est humaine, comme on dit. C'est pour moi que j'envoie des gros des fois des youtubeurs whenever tout le monde qui fait la hype par exemple pour un jeu 3-4 ans d'avance. Oui, mais attendez-vous pas un chef-d'œuvre, voilà, parce que chaque jeu ont leur petit défaut. Chaque jeu ont leur petit défaut comme. Mais c'est pas des gros défauts, des fois c'est des petits trucs perso qui peut te déranger, que certains ça peut plaire à certains. Mais bon. C'est bon. Mira, j'ai trouvé la console. Connecte-moi et je te localiserai, Espinosa. T'es connecté, Mira. Entendu. Ne t'éloigne pas de la console ou je perdrai la connexion. À toutes les unités. Oh wow. L'intrus a accès au réseau. Arrêtez l'intrus. Et merde. Retiens-les. Je vais au plus vite pour le trouver. Pourquoi se mettre à couvert casque? Ah wow! Just Cause 4, le seul jeu dans lequel on ne veut pas se foutre à couvert. Je sais pas si on pouvait dans les autres. À toutes les unités, je fais un truc. Ah wow! Ils essaient déjà! Mais ça, il y en a qui disent que c'est une honte de pas se mettre à couvert dans des jeux comme. Qu'on peut pas se mettre à couvert dans des jeux comme Crackdown. Par contre, quand c'est Just Cause, là, il y a rien. Là, il y a pas de problème. Comme sur cet overdrive, il y en a bien qui disaient que sur cet overdrive c'était mauvais sur Xbox One. Là, il y en a là qui s'en vient sur PS4, il y en a bien qui vont dire que c'est un bon jeu. D'un coup, le jeu il va devenir excellent. Ça grouille de gars de la manoir ici. Après ça, ça allonge, ça allonge, après ça, dire que c'est... Encore quelques secondes, Rico, et tu pourras y aller. Je suis en train de le chercher. Vidéo ludique, ben oui. Ok, prends ton temps.
moi, perso, qu'est-ce que j'ai bien aimé, perso, c'est surtout qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est... Chez Cox, à ça, ils disent plus le nombre d'exemplaires vendus, à ça, c'est qu'ils font à ça, ils disent le nombre de joueurs. Voilà, je l'ai trouvé. Et c'est son ça bureau se trouve près du sommet de la tour. On a fait tout ça, alors qu'il est au sommet. Il faut arrêter de prendre le mot de te fier seulement aux chiffres. Je doute qu'il ait pu survivre aussi longtemps. Ce n'est pas n'importe qui, Monsieur Espinosa. C'est vrai. Autant en être sûr. Oui, Monsieur Espinosa. Nous voyons de quoi le projet IAPA est capable. Monsieur. Il faut laisser du temps au cœur pour atteindre la puissance maximale. Vous pensez pouvoir l'occuper jusque-là? Ici le commandant Morales. Nous avons un atout sur le site. Activez les défenses IAPA et engagez toutes les tours d'artillerie. La femme qui était avec Rico à l'aéroport, c'était bien qui, je crois? Oui. Occupez-vous-en, s'il vous plaît. Avec plaisir. Juste cause. Côté facial, ça pique un peu, je trouve, mais bon. Rico. Rico, ici Mira. Réponds, je t'en prie. Mira. Réponds, Rico. Allez, réponds. Mira. Rico, Dieu soit loué, t'es vivant. J'avais perdu ta position. Ouais, mon grappin est cassé. Tout comme ma wingsuit, mon parachute, et quelques côtes. Je dois réparer tout ça. J'ai des outils à El Abismo. Tu es où? Dans la forêt. Je sais pas où. Je t'envoie mes coordonnées. Espérons que ça marche. Bien reçu. À tout de suite. Fais chier. Bon. Ouais. Bon. Sans mon grappin, j'ai l'impression d'être amputé d'une partie de moi. Regagnez votre poste, la cible est partie. Ça doit être là. J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Mira a peut-être raison. T'as ce mal pour toi, en tout cas, c'est vraiment pas pire. Mira, je suis à El Abismo. Les gens d'ici doivent pas avoir le vertige. C'est aussi ton cas? Ouais, mais j'ai un parachute en général. Il y a une ville sur un pont. On aura tout vu. Bon, personnellement, et pourtant, en tout cas, ça qui est pas pire, moi, que c'est Jobac et Xbox, ça qui est pas pire, after, ils disent plus le nombre de chiffres, ils communiquent plus sur le nombre de chiffres vendus. C'est ça qui est génial, c'est qu'after, salut madame, t'es lettre. Désolé de te dire ça, mais t'es lettre. Non, désolé, je parle pas n'importe quoi. Aïe, l'autre, prends n'importe quoi, non, je parle pas n'importe quoi. Oh là là. Oh les poteaux, ah j'ai le vertige, ah je me sens pas bête tout d'un coup. Merde. Déjà c'est pas la première personne. Tout va bien? Ouais.
demande qu'est-ce qui arrive si je saute. Non, je sauterai pas. Ah, je peux sauter? Oh non, je peux pas sauter. Ah, je peux pas sauter, une chance. Ah oui, je peux sauter, merde. Ah non. Ah fuck. Aïe aïe. Ah, je suis pas mort au moins. Mais bon, ça, je trouve fun parce que je veux dire, il arrête de dire combien de chiffres qu'ils ont fait. Ils arrêtent de dire un peu leurs chiffres. Ça, je trouve ça bien d'un côté parce que je me dis en même temps, les chiffres, on s'en balance un peu. En tout cas, moi, en tant que consommateur, je m'en fous un peu de savoir combien ils ont fait. C'est juste pour se rassurer. Ouais. Là, je suis pas pire parce qu'en jouant, en étant de même, un hélico de la majeure. Il inverse un peu les rôles, c'est. Là, tu vas voir, il verse un peu les rôles. Ça que j'aime bien, c'est qu'en deux, bientôt, c'est PlayStation qui arrêteront pas de. Qui vont ça s'est vidé très vite. Qui s'intéressent la moitié des gens d'ici tentent d'échapper à Espinosa et à sa main noire. Ça que j'aime bien, c'est. C'est la manière que c'est fait, c'est que je veux dire, à un moment donné, à force de. Parce que Microsoft n'arrête pas aussi, PlayStation n'arrête pas aussi de parler de chiffres. Combien de consoles qui vendent whenever et compagnie, encore le machin habituel. Puis Xbox, un moment donné, Fitmaster, il s'est dit on arrête de parler de combien de consoles qu'on a vendues. À cette heure, combien de jeux qu'on a vendus, surtout, à cette heure, on dit combien de joueurs vont jouer à notre jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en même temps, je veux dire, en même temps, ça leur enlève un peu cette petite image un peu de capitaliste, je veux dire, de personnes qui s'arrêtent un peu aux chiffres, qui s'arrêtent juste aux chiffres, fait que. Puis en même temps, le monde qui disait que Xbox parle juste d'argent puis de chiffres, là, check bien, là, ça va être PlayStation qui va tomber dans ces travers-là. J'espère pas en tout cas pour eux, j'espère pas pour eux en tout cas, parce que mais bon, nous le monde, je pense que les fanboys vont acheter pareil, mais bon. T'as une sale tête. Tu veux de l'eau? La main noire surveille le village. Ça arrive souvent. Pratiquement jamais. Quelqu'un a peut-être attaqué leur base météo. Outils. Merci. Je peux pas m'attaquer au projet IAPA tout seul. Je suis d'accord. Je reconnais que j'avais tort. T'avais raison. Est-ce que c'est un signal de détresse? Je croyais que tu faisais plus partie de l'agence. Tiens, aide-moi. Qu'est-ce qu'on fait pour IAPA? Entre le blizzard et les tours d'artillerie, impossible d'approcher. J'ai quelques idées en tête. Je t'écoute. J'aime vraiment pas le facial des personnages, par contre. Je trouve qu'ils l'ont mal fait, c'est juste cause là. Vos prochaines actions pourraient déterminer le destin de cette communauté. Sérieux, là, j'ai l'air sérieux. Je suis le commandant Morales. C'est lettre, là. J'ai toléré El Abismo pendant des années. C'est beau, mais je veux dire, pour maintenir l'ordre et la justice à Solis, j'ai accepté que cet endroit serve de refuge aux criminels et aux hors-la-loi. Mais cette nuit, une attaque terroriste a été menée contre une installation du projet IAPA. Le coupable avait un complice au sein même de ce village. C'est qui? Gabriella. Elle a tué mon oncle quand j'étais petite. Elle sait qu'on travaille ensemble? Si vous ne me dites pas immédiatement où se trouve Mira Morales, je devrais fouiller le village de fond en comble. Les maisons seront inspectées, l'identité de chacun d'entre vous sera vérifiée. Et toutes les transgressions seront très sévèrement punies. Je pense parce que là, sérieux. Je vois si c'est pas, la luminosité, pourtant.
Non, c'est pas le. Non, y a pas de. J'espère que rien va foirer. Ça va, y a qu'à sauter. Ah, parfait. Hé, hey, Rico, c'est Luis. Ici Sargento. On va vous retrouver à Casquillos Vacios avec Mira. C'est l'usine? Sargento et Izzy ont fait des recherches. Ils peuvent t'aider à redémarrer l'usine. C'est qui, Izzy? Salut, je suis la hackeuse. Salut. Envoyez ce que vous avez. Vers votre lentille ERA. Mira m'a expliqué, c'est fait. Vous avez une lentille ERA? Un genre de mini-ordinateur sur l'œil? Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, au boulot. Je pense les poteaux, je vais retourner à juste cause 3 parce que là, côté luminosité, ça fait vraiment pas. Mais bon, si vous voulez des fois l'essayer, il est gratuit ce week-end sur Xbox Live, sur Xbox Live Gold et sur le Game Pass. Et sur ça, les poteaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un abonnement à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une, très prochainement pour une critique de Rambo 5. Je vais l'avoir à soir. Fait, normalement, la critique devrait arriver peut-être demain, tout dépendant. Mais bon, il y aura aussi d'autres vidéos aussi à venir ce week-end. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao les potos!